Mon invitée suivante s'appelle Elena. On l'appelle souvent la sœur de Lio, et peut-être qu'un jour on appellera Lio la sœur d'Elena. Voici Elena Noguera. Les filles qui se déshabillent tout de suite en arrivant, c'est... Julien Clerc est très courageux, il a résisté à Carla Bruni, donc vous allez avoir un petit peu de mal. Alors vous dites, aujourd'hui, je suis devenu totalement allergique à la question, vous êtes la sœur de Lio, je comprends effectivement que ça doit être pénible au bout d'un moment, non? Ouais, c'est pénible. Quand vous allez chez Ardisson en l'an 2000, et qu'on vous dit encore, vous êtes la sœur de Lio, il y a un moment, non? Ouais, c'est un peu pénible, mais en même temps... C'est difficile quand vous étiez petite, non, de vous construire en même temps que votre sœur avait du succès, parce que vous avez quoi, 8 ans quand elle a du succès, Lio? Ouais. À ce moment-là, on est plutôt content et ça devient difficile. Quand on veut être chanteuse aussi. Ouais, puis on se rend compte avec le recul que ça a été difficile. Mmh. Sur le moment même, on ne voit pas les choses se faire. Est-ce que ça n'aurait pas été plus facile pour vous si vous n'aviez pas été la sœur de Lio?